Alors, voilà, je prends la parole. Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette première tentative de tutoriel en direct sur Usine Holyoke pour le spectacle vivant. Donc voilà, j'espère que vous me recevez bien. Il y a probablement une bonne petite latence de quelques secondes, voire une minute. Mais peu importe, l'essentiel, c'est que ça fonctionne. Vous pouvez bien entendu m'envoyer en commentaire vos remarques. Je les recevrai a priori plus rapidement que vous ne recevrez l'image. Mais voilà, on va essayer de fonctionner comme ça. On a un peu de la chance. Le réseau a l'air pas si catastrophique que ça. Ok, je vais essayer de monter le son ou de me rapprocher un peu du micro. Voilà, je pousse un peu le son. Alors voilà, je meuble un petit peu en attendant que tout le monde arrive et que les derniers ajustements soient faits. Donc merci pour vos retours. Voilà, pour l'instant, je vais pas trop développer, même si ça ne saurait tarder. Est-ce que c'est mieux pour le son? Voilà, normalement, ouais, je vois au moniteur. Ok, super, merci. Donc, et ben sans plus attendre, voici un peu l'environnement usine qui va potentiellement nous servir pour créer des conduites un peu complètes et complexes de spectacle, sachant que Usine est un outil développé par Olivier Sens, qui est un musicien français. Donc, au départ, un outil prévu pour les musiciens, puis petit à petit qui glisse vers une orientation plutôt événementielle, spectacle, avec des possibilités très étendues, comme nous allons le voir. Alors, je vais partir d'un projet pas tout à fait vide, histoire de gagner en efficacité, mais ça sera un peu quand même la même chose pour vous. Enfin, on va essayer quand même de simuler un début de projet en partant de rien. Voilà. Alors j'ai mis normalement en description un lien vers des patchs que j'ai développés afin de faciliter la construction d'un projet. Bonjour Benjamin, bonjour Ney, bonjour Bruno, bonjour Aurore, bonjour Esteban. Voilà. Donc, vous pouvez télécharger ces outils, ou alors si vous l'avez déjà fait, c'est encore mieux, vous pourrez vraiment suivre. Donc, tout d'abord, on va faire une présentation générale de l'environnement usine. Donc, au démarrage, on se retrouve sur la page de garde avec des illustrations et les projets récemment utilisés, ainsi que des templates de projets. Tout d'abord, le mieux est de parler de l'arborescence d'usine, donc le niveau global d'usine s'appelle le workspace, donc l'espace de travail dans lequel on va construire son projet. Et dans ce workspace, nous allons insérer des racks qui vont eux-mêmes contenir des patchs. Voilà, donc là j'ai tout un tas de racks qui sont pour l'instant repliés, mais pour la. Ah, je cherche mon logiciel, j'avais fait tout un tas de petits raccourcis et tout. Voilà, pour insérer un rack vide, on peut cliquer sur. Je ne sais pas s'il y a un raccourci, en tout cas, il y en a un, il y a un raccourci clavier qui est pomme. Sur Mac, pomme T ou commande T ou contrôle T sur PC. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. On va commencer par créer un rack vide pour voir en quoi consiste un rack. Donc un rack est composé de trois parties. La première est consacrée aux entrées, donc elle permet d'indiquer au rack quel type de signal on veut envoyer, que ce soit de l'audio, une entrée vidéo, une entrée MIDI, etc. Après, on a un grand espace vide avec ce qu'on va appeler des slots,
qui vont nous permettre de placer des patchs. Donc ces patchs, ça peut être des lecteurs vidéo, des lecteurs audio, des projecteurs, que sais-je encore, des traitements, des effets. Voilà, on peut en cumuler comme ça et faire une espèce de rack audio avec un traitement en série des informations. Et enfin, en bas du rack, on voit le module de sortie dans lequel on va pouvoir aussi indiquer quel type de sortie placer. Donc toutes ces entrées-sorties, on peut les configurer dans ce menu qui s'appelle Device. Alors pour l'instant, je suis désolé, ça va être un petit peu touffu, mais c'est des concepts, à mon avis, qui me semblent importants pour rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà la fenêtre des devices. Les devices, c'est un concept dans Usine qui permet, je vais enlever ça, qui permet de configurer à sa guise tous les périphériques qui nous permettent de discuter vers l'extérieur, à savoir des contrôleurs MIDI, des cartes son, des entrées vidéo comme des caméras, des sorties vidéo comme des projecteurs, etc. Là où Usine va plus loin, c'est que nos devices peuvent être personnalisés, c'est-à-dire que si j'ai une carte son multi-entrée, multi-sortie, je peux créer des devices avec plusieurs entrées, plusieurs sorties gérées simultanément, ou alors au contraire créer des devices avec des entrées et des sorties ciblées, ce qui peut être assez pratique dans un concept où on est amené en théâtre par exemple, à créer des objets qui vont s'adresser spécifiquement à une sortie ou à une entrée. Voilà, je vais essayer de pas trop m'étendre sur ce sujet. On peut faire donc un bref tour d'horizon sur les icônes qui sont là, qui vont être un petit peu l'endroit où l'on va se référer pour accéder aux différentes fonctions. Donc la première icône, c'est le browser. Le browser, c'est l'endroit où on va charger ses sons, ses patchs, ses plugins d'effets, ses projecteurs, ses vidéos. Voilà, un raccourci pratique à connaître, c'est le raccourci CTRL B ou pomme B. Voilà, j'essaie de le mettre à un endroit où c'est visible. Voilà. Donc voilà, je vais pouvoir accéder à mes bibliothèques. Pareil, si on a le temps, ou alors sinon dans une autre session, on verra comment configurer cette bibliothèque. Voilà. Je poursuis avec donc l'icône device qu'on a vu précédemment. Pareil, il faudrait passer un certain temps, mais là je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. L'icône suivante concerne la grille. Alors la grille, pareil, un raccourci à connaître. Voilà, CTRL G. Je vais ouvrir tout de suite la grille. Donc la grille va constituer un petit peu l'élément essentiel de notre visite de cet après-midi. Je fais une petite pause, je regarde un peu les commentaires si tout va bien. Voilà, pas tellement de nouveaux commentaires. Donc je considère que tout va bien. Alors voilà, donc on va à présent essayer de rentrer plus dans le vif du sujet et de se poser la question de comment aborder une conduite dans Usine. Tout d'abord, quelles sont les nécessités d'une conduite et quels sont les apports du logiciel Usine par rapport aux autres méthodes usuelles. Sachant que bon, je n'ai pas pris le temps de me présenter, mais voilà, je fais de la régie pour le spectacle vivant depuis plusieurs années, danse, théâtre, occasionnellement concert. Et jusqu'à présent, bah, j'ai coutume d'utiliser les logiciels les plus usuels, tels que Ableton Live, D-Light pour la lumière, Resolume, Illumine pour la vidéo, QLab aussi de temps en temps. Et tous ces logiciels sont plutôt bien, mais jusqu'à présent, aucun d'entre eux répondait pleinement à mes attentes. On va voir si Usine le fait. Donc,
Voilà, après, pour un petit peu plus de généralité, Usine, à la base, c'est un logiciel qu'on appelle modulaire, c'est-à-dire un peu à l'instar de Max MSP, Pure Data pour ceux qui connaissent, qui permet de créer ces outils quasiment en partant de zéro sous forme de patch. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à ça, parce qu'on va voir que depuis quelques versions, Usine est devenue suffisamment opérationnelle pour être utilisable sans avoir à se lancer dans des patchs, et c'est ça qui me semble être intéressant ici. Donc, nous allons à présent visiter la grille. Donc, la grille peut s'apparenter à une espèce de séquenceur d'événements à mi-chemin entre les scènes d'Ableton Live et une timeline traditionnelle d'un séquenceur tel que Pro Tools, Reaper, Cubase et j'en passe. L'intérêt de cette grille, c'est qu'elle va nous permettre d'organiser des déclenchements d'événements selon des temporalités qui sont à la fois propres aux événements et propres à ce qui se passe sur la scène. Donc c'est un peu la quête de tout logiciel de conduite. Et je dois dire qu'à ce niveau-là, Usine est plutôt réussie. Donc le plus simple peut-être, ça serait d'organiser un petit scénario. Alors n'hésitez pas hein, à me faire des remarques et des suggestions si vous avez des questions plus spécifiques. Et puis à me dire surtout si vous continuez à me voir parce que je suis un petit peu en aveugle là. Donc, première supposition, on va imaginer qu'on fait une régie son, toute simple, voilà, avec des musiques, des bruitages, des effets sonores à diffuser. Et donc, on a des indications de mise en scène avec des actions ciblées, des éléments qui doivent se déclencher simultanément, d'autres qui doivent se déclencher en fonction de ce qui se passe sur scène. Donc on va commencer. Alors moi j'ai déjà créé des petits patchs. On fera un petit tour peut-être tout à l'heure de ce que j'ai fait, sachant que vous pourrez en bénéficier en les téléchargeant dans les commentaires. Mais on va essayer de jouer le jeu et de partir de zéro pour voir quelles difficultés on peut rencontrer et quelles solutions surtout on peut apporter à des problématiques de spectacle. Donc on imagine qu'on va travailler sur une scène avec une ambiance sonore de ville. Alors je vais aller dans mon browser, donc toujours commande B ou contrôle B. Je vais aller dans mes sons et moi j'ai un petit dossier avec quelques sons. Donc je vais commencer par créer une ambiance urbaine, une ambiance de trafic. Donc je vais faire glisser mon fichier son. Alors j'ai deux possibilités. Soit je sais que mon fichier son va être lu sur toute sa durée et à ce moment-là je peux le faire glisser dans la grille directement. Mais et voilà. Et je peux adapter ma section, le temps de ma section au temps de mon fichier. Là, je me retrouve un peu dans une configuration de timeline traditionnelle. Mais pour le moment, vu que ça ne va pas être l'usage habituel, je vais passer par l'étape rack. Voilà, donc j'efface ça. Je prends mon son urbain, je le mets dans un espace vide. Et Usine me propose d'ouvrir un tas de templates, donc de patchs déjà préfabriqués qui vont correspondre à mes besoins. Sachant que les besoins du théâtre sont très spécifiques, j'ai de mon côté développé mes propres templates. Alors c'est un petit peu compliqué de vous expliquer là comment on fait pour développer des templates, mais sachez que les patchs que j'utilise là sont disponibles dans les outils que je vous ai fournis. Donc pour cette ambiance, je vais utiliser mon template Fade Player. Voilà, alors déjà, on commence. J'active le moteur audio d'usine.
Je baisse. Alors, normalement, merci Christophe et Benjamin et Aurore pour vos retours. Normalement, vous devez entendre d'ores et déjà l'ambiance urbaine de mon son. Alors, ça devrait venir d'ici quelques minutes chez vous. Alors, ce lecteur est un peu spécifique. Je l'ai développé récemment parce que je trouvais ça assez pratique d'avoir la possibilité d'avoir un lecteur qui effectue automatiquement un crossfade entre une partie du son pour pouvoir. Alors, c'est un petit peu un artifice, mais ça fonctionne pour avoir une ambiance qui tournerait en boucle avec un temps indéfini, sans interruption, sans coupure apparente. Donc pour ça, je vais caler mon point d'entrée et mon point de sortie de ma boucle. Et je vais mettre un temps de fade. Et partant de là, normalement, je devrais avoir une boucle qui est jouée de manière continue, sans interruption. Donc voilà, donc là on a créé notre première ambiance. Maintenant, il va falloir la mettre dans la grille pour pouvoir construire un peu notre conduite. Donc je vais la renommer. Donc pour renommer un objet dans l'usine, c'est toujours la même manip qui consiste à que je retrouve voilà à cliquer sur l'objet qu'on veut renommer et tout en maintenant Alt enfoncé. Donc je vais l'appeler ambiance urbaine. Bim. Voilà. Et puis je vais lui mettre une couleur. Alors, je jongle un peu sur mes deux. Voilà. On va lui mettre une couleur significative. Voilà, par exemple. Et je vais placer cette ambiance dans la grille. Voilà. Voilà, je vais arrêter un petit peu le moteur audio pour laisser l'ordinateur se reposer. Donc, ceci étant fait, j'ai mis mon rack dans la grille. Je vais redéfinir en faisant un clic droit sur ma section, la durée de ma section. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc là, j'ai une section qui fait 10 secondes, mais un son qui fait plus que 10 secondes. Mais le temps de la section, en fait, n'a pas de rapport avec le temps de mon ambiance sonore. C'est le temps, en fait, dans lequel je vais pouvoir construire des déclenchements d'événements. Donc si j'ai besoin par exemple juste de lancer mon événement intro, je pourrais très bien avoir une section d'une seconde, ça ne poserait aucun problème. La section sera exécutée et une fois qu'elle est exécutée, mon rack qui est présent dans la section reste actif. Donc je vais étendre mon rack sur deux sections pour pouvoir déclencher un nouvel événement. Voilà, je vais remettre. On va laisser ça comme ça. Je vais regarder un petit peu. On entend bien, ok, ouais. Donc voilà, là j'ai muté pour l'instant mon ambiance et je vais aller chercher un nouveau son. En imaginant que, voilà, par exemple, je souhaite avoir un klaxon qui interviendrait ponctuellement pendant que mon ambiance 1 se déroule. Donc, je vais regarder un peu. Ok, donc là je vais aller chercher des sons de klaxon que je vais mettre dans un lecteur de théâtre.
par exemple. Donc, je ne suis pas obligé de lire mon fichier entièrement, hein. Je peux faire une sélection, zoomer dans mon fichier. Voilà. Bon, je ne souhaite que ce son de klaxon. Voilà. Voilà, alors il n'est pas très très beau, mais peu importe. Je vais renommer klaxon. Voilà. Et alors je vois une question. Une section, c'est un queue qui s'exécute sur la durée de la section. Et plus d'autres choses pour, sur. Oui, en gros, une section, c'est un queue. Mais un queue qui a la spécificité d'avoir un temps, effectivement, dans lequel on peut déclencher plusieurs événements de manière simultanée ou décalée. Donc, je vais renommer ça klaxon. Et alors, klaxon, on va faire. Ah oui, alors, ça fonctionne pas parce que j'avais un peu trop tweaké mon lecteur. Donc, il prend forcément le nom du fichier, ce qui est un peu inutile à mon sens. Voilà. Donc, je renomme klaxon. Ok. J'ai mon son klaxon. Alors là, comme j'ai un fichier avec plusieurs sons, on va faire une opération un petit peu sophistiquée. On va créer différents presets pour avoir accès à différents klaxons. Donc ça va être mon premier klaxon. Donc j'ai cliqué sur l'appareil photo ici. Dites-moi si je vais trop vite, hein. Je suis désolé. J'essaye de trouver le bon rythme, c'est pas forcément évident. On va l'appeler 1. D'accord. Donc, je peux simplement, comme tout à l'heure, mettre mon rack sur le 2. Alors, je suis désolé, mon ordinateur commence un petit peu à ramer avec le stream. Donc, on va retenter. Donc, je démute ça. Donc, j'ai mon ambiance qui déroule. Voilà. Et quand je lance ma section 2, j'ai mon klaxon qui part. Alors, je peux très bien chercher un autre klaxon. Ça rame pas mal, mais bon. On va essayer ce son-là. Voilà. Et ils sont vraiment pas beaux, ces klaxons. Voilà. Donc là, je vais faire un nouveau preset. Voilà. Et je vais dérouler ma section urbaine sur trois sections. Et je vais dupliquer, donc pomme D, contrôle D pour dupliquer mon klaxon. Et je vais aller mettre des presets sur chaque section. Voilà, section 1. Voilà, sachant que mes presets peuvent devancer un peu le déclenchement du son. Voilà. Alors je vais faire un petit récap, hein, parce que là c'est assez dense. J'ai bien conscience. Donc concrètement, excusez-moi, le souffle que vous entendez, c'est mon ordinateur qui est en train de décoller. Concrètement, j'ai placé deux racks klaxon. On va lui mettre une couleur aussi pour un peu bien l'identifier. J'ai placé deux racks klaxon sur deux sections. C'est important de placer deux fois le rack et de ne pas étendre le rack comme ça. Parce que là, en l'occurrence, en le plaçant deux fois, ça va le réactiver à chaque section et donc relancer la lecture. Alors que si je l'étends sur deux sections, en fait, il va juste continuer la lecture et s'il est arrivé au bout, il va absolument rien faire.
Donc là, j'ai placé deux fois le rack klaxon. Donc ça va avoir pour effet de déclencher la lecture, d'activer le rack et de déclencher la lecture. Et en parallèle à ça, j'ai placé des presets différents pour avoir deux klaxons différents et sur un même fichier avoir le même des sons différents sur le même fichier. Voilà. Donc je relance, je repars du Q0. Le Q0 désactive tout. Voilà, on va faire un petit fade ici pour être élégant. Donc l'intérêt d'avoir une durée de section, par exemple 10 secondes, c'est de pouvoir monter le fade. Alors pourquoi faut-il dupliquer le rack des klaxons? Je l'ai expliqué en fait, merci. Voilà, donc là je lance ma section 1. Voilà. Donc j'ai mon ambiance qui s'installe, qui tourne en boucle, je peux la faire durer ad vitam aeternam. Sur un repère que nous allons nommer ici, donc toujours Alt-clic pour nommer la section. Donc, par exemple, sortie comédien, hop, voilà. Voilà. Sur gifle, j'invente, voilà. Donc sur la sortie du comédien, je peux envoyer le cue suivant. Voilà. Et sur la gifle, voilà, j'envoie mon deuxième klaxon. Voilà, donc ça, c'est une espèce de fonctionnement type. Alors, après, ce qui peut être aussi pratique, c'est que sur chaque item, ou je sais pas comment appeler ça, enfin chaque rack présent, en faisant un clic droit, je peux ajuster son volume, qui est une espèce de volume global du rack. Donc si par exemple le deuxième klaxon me paraît trop fort, je peux l'ajuster ici. Mais je peux aussi lui régler son gain et le sauvegarder dans le preset. Voilà, c'est des modes différents. Donc là, par exemple, ce que je préconise, c'est d'avoir des presets qui sont déjà un petit peu lissés à la création de la conduite, et après, en exploitation, faire ces corrections à même les racks dans la grille. Donc voilà, si je relance ça, voilà, j'ai mis un peu le deuxième klaxon au second plan. Alors, à présent, on va créer une nouvelle action. Toujours avec, on va toujours garder l'ambiance urbaine qui tourne. Et on va faire entrer une musique. Alors, j'ai un rack musique ici déjà fait, donc on va gagner un petit peu de temps. Voilà. Alors, on va voir que ce rack musique, il a aussi un petit effet qui est par défaut désactivé dans le rack. On va essayer de comprendre pourquoi. On va voir que là, toute la puissance de la grille d'usine va probablement prendre son sens. Donc je vais placer hein, basiquement mon rack musique sur la section 4. Voilà. Désolé, c'est un petit peu laborieux, mais hop, ok. J'ai vraiment du lag avec l'ordi. Voilà. Donc là, je vais l'appeler musique pour simplifier. Musique, ok. Et je vais déjà créer une section suivante avec un fade. Un fade de l'ambiance urbaine. Voilà, on va remettre une durée de 10 secondes à ma section. Et donc quand je lance ma section 4, voilà, j'ai ma musique qui démarre. Alors, on va à présent commencer à voir des choses, pas de snap.
Pas de snap, si, si, bien sûr, du snap sur la grille. On voit les. On voit le. Voilà. Je sais plus où ça se configure par contre, mais je sais qu'on peut le désactiver et l'activer, le snap. Et le snap correspond aux sous-sections qu'on voit dans la grille. Sachant que, bon, c'est pareil, hein, là, c'est une présentation un peu générale, mais la grille permet d'avoir des quantisations. Au temps, à la mesure, voilà, à la noire, à la croche, on peut un peu tout configurer. Je ne sais plus où est-ce qu'on active le snap. Mais par défaut, il est actif, de toute façon. Donc, je reprends où j'en étais. Donc, comment dire, un mouvement assez courant consiste à, par exemple à faire démarrer la musique à un volume faible et à la faire monter progressivement pendant le chant de l'ambiance sonore. Donc, on va faire ce petit cas de figure. En fait, il y a toujours mille façons de faire la même chose dans l'usine. Moi, je vous présente ma méthode qui me paraît fonctionnelle pour l'usage régie, sachant que j'ai plutôt tendance à raisonner en termes de transition entre deux états, plutôt qu'en termes d'automation, comme on pourrait le faire dans un projet musical. Donc là, j'ai donc sur ma section 4 la musique qui démarre. Je vais lui ajuster son gain. Donc là, je vais baisser le son pour qu'il arrive à un volume satisfaisant. Voilà, donc par exemple moins 12 dB. Et je vais faire glisser ce fader dans la grille. Alors pour ça, j'ai un raccourci qui consiste à faire, voilà, shift-click. J'espère que on voit bien. Voilà, shift-control, voilà, plus drop. Alors là, ça va être compliqué parce que, à mon avis, je vais essayer de soulager un peu le CPU. Voilà. Donc là, j'importe mon gain en valeur fixe. Sur cette section, donc on voit moins 12 dB. On peut bien évidemment aller retoucher cette valeur. Et sur la section suivante, alors pour gagner en lisibilité, je vais rajouter des sections. Voilà. Donc j'étends ma musique sur la section 5. Et je vais remettre mon gain à zéro. Alors là, j'ai fait CTRL-CLIC pour remettre le fader à sa valeur par défaut, qui est ici 0 dB. Et je place mon gain ici à 0 dB. Alors, je vais lui appliquer un fade. C'est là où je préconise les valeurs fixes avec des temps de fade plutôt que des courbes d'automation. Alors, je pense que j'ai des pertes d'image. Voilà, j'espère que ça ne vous empêche pas trop de suivre malgré tout. Donc, on va récapituler. Je lance ma musique à moins 12 dB. Sur la section d'après, je fais partir en fade out l'ambiance et je fais monter la musique en 10 secondes à son volume initial. Donc, je réactive. Voilà, je vais sur la section 3. Je lance ma musique. Voilà. Là. On voit, ça n'a pas fonctionné. Bizarrement, il n'a pas compris la valeur du fader. C'est un peu étrange, mais bon. Je vais recommencer. Peut-être que le lag n'aide pas trop. Voilà.
Donc là, on est bien à moins 12 dB. Et quand je vais lancer la section 5, voilà, ma musique monte en 10 secondes et mon trafic diminue. Merci Ney7 pour cette information. Voilà, alors cette fonction de faire glisser des objets dans la grille est hyper puissante parce qu'elle permet par exemple de déclencher des actions, ce qui serait extrêmement compliqué à faire dans d'autres logiciels. Par exemple, si je souhaite jouer mon fichier à l'envers au bout d'un certain temps. Donc ici j'ai une petite flèche reverse. Donc je vais placer le reverse dans la grille. Voilà. Hop. Et je vais l'étaler sur toute la durée de la grille. Voilà. On va revenir un peu en arrière dans le son. Voilà. Donc imaginons, alors là on voit que les sections tournent en boucle, hein. Ça n'a pas tellement d'importance pour l'usage qu'on en a là, mais on pourra voir à quoi ça sert. Donc voilà, donc ma section 6 va servir à activer le reverse. Voilà. Donc je peux tout à fait, dans ma conduite, intégrer des actions comme déclencher la lecture. La lecture à l'envers, où je peux même aussi déclencher je sais pas, un pitch par exemple. Hop. Donc là je vais mettre le pitch à 0 dB, à 0 pardon, à 0%, à 0 demi-ton. Avec CTRL-D et POMME-D, je peux dupliquer un objet dans la grille. Faire par exemple moins 48. Hop. Voilà. Et donc là, je peux, pareil, déclencher un pitch. Alors forcément, là il y a des petites confusions qui se créent entre le reverse et le pas reverse. On va enlever le reverse. Voilà, donc si je veux faire un effet de disque qui s'arrête par exemple, je peux avoir une section qui va pitcher et je peux même lui dire d'enchaîner sur la section suivante qui est vide et donc qui va désactiver absolument tout le rack. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a vu que les sections pouvaient être jouées en boucle. Donc, bah, ça peut nous servir, par exemple. Alors là, ça va être complètement absurde, mais c'est pas grave. On va imaginer qu'on pitch à moins 12. Le son. En fait, je désire pitcher la moitié du temps et revenir à un temps normal l'autre moitié du temps. Donc voilà, donc pendant 5 secondes, je vais être à moins 12. Super. Il faut que je remette effectivement. Ah, je fais n'importe quoi, désolé. Voilà. Zéro. Voilà. Donc l'intérêt de la section en boucle, c'est d'avoir des événements, voilà, qui s'exécutent en boucle, tout simplement.
Alors, on va faire une petite pause sur toutes ces questions d'organisation de conduite, juste pour vous montrer comment mettre un petit peu d'ordre dans la grille, parce qu'on s'aperçoit que très vite, quand même, il y a énormément d'événements, et ça peut être très très confus, et surtout prendre beaucoup de place, et puis on peut se dire, ah oui, mais avec 5 lignes, on va vite arriver en saturation d'événements, sauf qu'en réalité, on peut ajouter des lignes. Mais surtout, voilà, on peut les dimensionner comme on veut, hein. Mais surtout, on peut placer des événements sur une même ligne. Et ça, c'est intéressant quand les événements font référence au même rack, par exemple. Donc là, je peux tout placer toutes mes actions concernant ce son dans la même ligne, en fait. Qui me permet d'avoir une ligne dédiée au son, par exemple. Voilà. Alors, normalement, c'est beaucoup plus fluide dans, hein, le streaming. Le streaming me handicape sérieusement. Voilà, donc la position des items dans la grille n'a pas d'impact, hein, sur les actions. C'est juste une histoire de lisibilité. Voilà. En cliquant dans cet espace vide, je peux zoomer sur ma grille. Je peux aussi double-cliquer sur une section pour la grossir. Bref, j'ai tout un tas de manipulations. Donc, je ne sais pas quelle heure il est, 14h42. On a vu quand même pas mal de choses en 42 minutes. Dites-moi si vous êtes encore vivant, si c'est supportable, toutes ces explications. Sachant que moi, j'ai un peu des messages d'alerte de YouTube qui me dit que les images mettent du temps à arriver. Mais bref. Alors, on va peut-être un petit peu sortir de l'audio, même s'il y aurait des tonnes et des tonnes de choses à redire. Ah si, peut-être juste simplement une dernière petite chose. Oui, Christophe me répond oui. Je ne sais pas à quelle question, mais c'est toujours positif comme réponse, ça fait plaisir. Alors, je fais un petit peu de ménage dans ma conduite. Hop. Bim. Voilà, on va enlever toutes les actions de pitch et tout ça. Donc, une bête suppression. Alors, je peux aussi. Cool, ça lag pas trop, voyons, c'est une bonne nouvelle. Donc, je peux aussi, voilà, intégrer des effets. Par exemple, là, j'ai fait un effet assez cliché qui est un effet radio. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, on peut tout à fait prendre un patch de manière individuelle. De manière à l'activer à un moment précis. Et bien sûr, on peut cumuler ça avec un fade pour pouvoir faire entrer progressivement l'effet, toujours sans interruption de la lecture du son, bien entendu. Bruno dit oui, c'est vraiment intéressant ce logiciel, je vais me pencher sérieusement dessus. Et ben, bon courage. Bon courage. Même si au final, je sais pas comment ça vous apparaît. Moi, je trouve que il y a une espèce de concept global à capter, mais après, finalement, la construction est assez simple. Voilà, enfin, il n'y a pas de difficulté majeure. Bien entendu, on peut pousser l'utilisation jusqu'à des usages extrêmement plus compliqués. Une dernière petite chose sur la grille. Après, j'essaierai plutôt de répondre à vos questions.
Mon ordi va-t-il survivre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a l'air de bien se porter, il a l'air de prendre sur lui, et un peu comme nous tous, et donc de ralentir son activité pour pas justement exploser. Voilà. Bon, on va voir juste pour le fun intégrer une petite vidéo dans cette conduite. Donc pour intégrer une vidéo, bah toujours CTRL B, pomme B. Ici, nous avons un onglet vidéo avec quelques vidéos de démo. Donc on va prendre nature. Je fais glisser et pareil, j'ai des templates. Alors en nombre beaucoup plus réduit cette fois-ci. Je vais prendre le template de base. Voilà. Et donc là, j'ai ma vidéo qui tourne en boucle par défaut. Et ben pour l'instant, j'ai juste une vidéo qui est lue, mais mon rack ainsi créé n'a pas de sortie vidéo. Donc il va falloir que je définisse une sortie vidéo pour pouvoir aller attaquer un écran externe ou un vidéo proche. Donc pour ça, je vais aller dans mes devices. Okay. Et ici, j'ai de base un device vidéo out qui est créé. Alors, petite info importante à savoir, Usine ne gère pas les vidéos sonores. Enfin, il lit les vidéos sonores, mais il ne lit pas le son. Donc, il faut dissocier les deux, sachant qu'il y a un petit utilitaire qui est fourni avec Usine pour pouvoir extraire l'audio d'une vidéo. Mais de toute manière, ça permet plus de flexibilité, comme dans la grille, on peut lancer vidéo et son en même temps, ça ne pose pas plus de difficultés que ça. Donc là, j'ai inséré un device vidéo out sur mon rack et automatiquement Usine m'a créé une petite fenêtre preview vidéo ici que je peux mettre en plein écran sur mon écran secondaire par exemple. Voilà, ça doit super laguer. Et je vais pouvoir, à l'instar des fichiers son, je peux tout à fait mettre un rack qui contient une vidéo dans ma grille. Voilà, alors on va la placer là. Voilà, un petit fade-in. Je vais le baptiser Alt-clic hein, vidéo. Hop, une petite couleur. Maintenant, vous connaissez. Voilà, bleu pour la vidéo. Ça me paraît être un code un peu standard dans l'usine. Voilà. Et donc partant de là, je retourne à mon klaxon. Alors il faut que je lise au moins une fois le fichier pour qu'il soit pris en compte dans la grille. Donc j'ai mon ambiance urbaine, ma musique qui part à 12 dB. Mon ambiance qui chante, ma musique qui monte à 0 dB. Et ma vidéo qui part au Q6. On va faire un petit fade out. Au Q7. Qui active l'effet filtre dans mon son. Voilà. Donc là, on a une construction déjà assez complexe. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est par exemple lancer ma vidéo de manière automatique au bout de 10 secondes de la musique. Donc, pour ce faire, je vais sur ma section 5. Basculer l'état de ma section avec la petite flèche jaune-verte là qui va indiquer à Usine de passer automatiquement à la section suivante. Donc je recommence du même endroit. Donc nous avons voilà. Donc
La musique démarre. Chante de l'ambiance urbaine, musique, et 10 secondes plus tard, une fois que la musique est montée à son volume, voilà, sans action de ma part, la vidéo démarre. Voilà, ça peut être un mode opératoire bien pratique. Voilà, alors je pense que je vais pas tellement plus développer sur la grille, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, il y a quand même énormément de choses faisables qu'on n'a pas abordées. Alors notamment un point qu'on n'a pas abordé et qui peut en intéresser certains, c'est la gestion de la lumière. Alors, usine est un outil qui peut être assez puissant pour la lumière, notamment dans l'idée de pouvoir organiser aussi sa conduite lumière au sein même de la même grille qui gère les actions audio-vidéo. Alors, je vais répondre à la question. Est-ce que tu sais quels sont les formats vidéo et sont reconnus par usine? Alors, globalement, les fichiers, que je sache, les fichiers vidéo sont à peu près tous reconnus. Je sais qu'Olivier m'a dit que récemment le HAP, qui est un format assez prisé par les vidéastes en spectacle, a été intégré. Donc le HAP, ça marche, le photo JPEG, ça marche. Voilà, tous les codecs un peu courants fonctionnent. Pour l'audio, je sais que voilà, prioritairement Wave à IFF, le MP3, ça marche, mais il y a une conversion qui est faite. Donc si vous glissez un MP3 dans Usine, il va d'abord le convertir en Wave pour pouvoir l'utiliser. Peut-on mapper la vidéo? Alors absolument, on peut mapper la vidéo. Alors c'est pas non plus, c'est pas, vous allez en avoir plus qu'assez de ce piano, et moi aussi. Alors pour mapper la vidéo, alors il y a pas mal d'outils en vidéo. C'est pas non plus de la trempe des ténors façon Millumine et j'en passe, mais H264, ouais, je crois, ouais. H264, ça doit passer. Ouais. Donc, pour mapper la vidéo, il y a plusieurs usages. Alors, si je veux, par exemple, c'est aussi l'intérêt des racks, c'est que je peux créer des mappings dédiés à un lecteur, mais je peux aussi faire un rack. Ça, je ne vous ai pas montré. Je peux faire un rack vide, placer ma sortie vidéo dans le rack. Voilà, bim. Voilà, et ce rack-là, le mettre dans ce rack plutôt que de le lancer directement dans la sortie. Ça, c'est assez intéressant. Alt-clic, je renomme sortie vidéo. Voilà. Voilà. Et là, dans ma sortie vidéo, je vais pouvoir CTRL-B, pomme B. J'allais dans la librairie, j'ai déjà des patchs tout faits. Dans vidéo, géométrique, mapping. Mapping, on va prendre perspective. Voilà. Et perspective, et ben je me retrouve avec mes 4 points. Et là, je peux, sans problème, à condition d'avoir un ordi qui marche, mais je peux voilà, faire un mapping avec 4 points. J'ai voilà, j'ai tous les crop, resize, les scale. Qui est un petit peu aussi un truc de base. Alors, sachant que les effets sont placés en série, le fait de placer un effet devant un autre va avoir un impact, effectivement. Donc là, si je scale l'ensemble de mon mapping. Alors que si je mets mon patch scale à cet endroit-là, c'est mon image que je vais scaler. Alors là, en l'occurrence, on ne va pas tellement voir de différence, mais si je déplace. Alors ouais, et ça, il faudrait que je vois un peu en détail comment faire, parce que là, j'ai tout mon mapping qui se déplace. Je ne sais plus exactement comment. En fait, enfin, si, il faudrait passer un petit peu de temps sur la vidéo, parce que c'est. Un petit peu complexe, mais en gros, pour faire
pour faire pour répondre aux besoins, on va dire, courants, c'est largement suffisant. Voilà, donc l'avantage, je ne sais pas si vous avez suivi l'avantage d'avoir un rack comme ça de sortie vidéo, c'est que je peux créer plusieurs racks contenant de la vidéo. Alors bien sûr, hein, ça peut être aussi des webcams, enfin des sources d'entrée vidéo que je glisserai dans mon rack in plutôt que des lecteurs. On va prendre River. Vidéo File Player. Donc voilà, donc là j'ai deux racks vidéo qui peuvent aller. L'un ou l'autre ou les deux en même temps dans la même sortie, ce qui fait que je canalise une sortie. Alors là, comme je suis sur une section, je ne peux pas désactiver. Voilà, donc voilà l'intérêt de faire un rack sortie vidéo, ce serait d'avoir comme une espèce de rack master. Alors, super, les librairies, tu les as imaginées, toi, ou elles sont dispo quelque part? Alors, je ne sais pas trop de quelle librairie tu parles, mais si c'est celle que j'ai mis en téléchargement, oui, en fait, c'est des patchs que j'ai un petit peu créés ou customisés pour les adapter à mes besoins de spectacle vivant. Donc, c'est vrai qu'on a dit qu'on allait faire un petit tour du propriétaire, on peut faire ça. Pas grave, on a digressé, je voulais parler de la lumière, mais on y reviendra peut-être plus tard. Si ça vous intéresse, on peut aussi abréger cette vidéo et en faire une seconde plus tard. Oui, je peux enlever le texte command drop, effectivement. Hop, voilà. Voilà, je fais un peu de ménage dans ma conduite, dans mon workspace plus précisément. Hop. Boom. Voilà. Voilà. Donc, alors, on va faire un petit tour des utilitaires que j'ai créés. Le premier, le plus évident pour moi, c'est le lecteur théâtre. Alors, ce qui est assez pratique, c'est que moi, j'en ai fait des templates, c'est-à-dire qu'ils sont automatiquement intégrés à ma version d'usine. Ce qui fait que j'ai pas à ouvrir le patch pour glisser mes fichiers son. Je fais glisser mon fichier dans le workspace et après je peux directement lui dire de le lire. Donc voilà. Excusez-moi, j'arrête pas de tousser comme beaucoup de gens. J'espère que c'est pas grave. Mais non, je pense que c'est pas grave. Voilà. Donc le lecteur lumière, s'il te plaît, juste un aperçu. Ouais, je vais essayer de faire un aperçu de la lumière. Je vais juste donc, alors je vais passer un peu brièvement. Donc le lecteur théâtre, il a cette spécificité, c'est qu'il est déjà paramétré pour déclencher la lecture du fichier à l'activation dans la grille. Et il a aussi, il a des compteurs intégrés, ce qui est toujours assez pratique. Et j'ai rajouté deux petits marqueurs qui me permettent de jouer une partie de mon son en boucle. Alors voilà, on va tester comme ça. Que se passe-t-il? Ça marche plus, voilà. Donc là, j'ai sélectionné un point de bouclage. Donc quand je lance le sample, il va le lire du début et après il va boucler entre mes marqueurs 0 et 1. Et l'intérêt de tout ça, c'est que je peux aussi dans la grille appuyer sur le bouton End, qui est un bouton qui me permet de libérer la boucle de manière totalement transparente puisque la lecture n'est pas interrompue. Et ce qui va avoir pour effet de lire la fin du sample sans interruption, ce qui peut être assez pratique dans une logique de conduite. Passons à la lumière, on verra plus tard les patchs. Ok, d'accord. Passons à la lumière. Alors, ouais, le problème de la lumière, c'est que c'est difficile
de faire court dessus, mais on va essayer quand même d'être synthétique. Alors la lumière, elle a été pensée par quelqu'un qui ne fait pas de lumière, donc il ne faut pas s'attendre à avoir un jeu d'orgue traditionnel. Mais ceci étant dit, il y a pas mal d'outils qui sont quand même assez puissants et je dois dire que à l'usage, j'ai fait des projets intégrant de la lumière de manière assez simple et assez rapide. Donc la lumière, le principe de la lumière, c'est qu'on va travailler directement sur notre plan de feu. Donc voilà, je vais aller dans le setup d'usine, voir vérifier donc dans la section light. Voilà, j'ai activé le DMX, donc c'est compatible avec les interfaces NTEC, USB et Artnet et les nodes Artnet en tout genre. Donc si j'ouvre le plot, voilà, donc je peux créer plusieurs plots, voilà, donc il a cette forme-là. Je vais pouvoir glisser des fixtures dans le plot. Donc on va faire on va prendre un exemple avec de la lumière traditionnelle. Donc CTRL B, je vais aller dans mon browser dans la section fixture. Et là j'ai déjà une bibliothèque de projecteurs un peu comme peux-tu intégrer le N dans la grille? Oui. Merci, à bientôt, Ney Seven. Revenons donc à la lumière, puisque ça a l'air d'intéresser certaines personnes. Donc je vais créer mon plan de feu. Donc mon plan de feu, on va imaginer, on va faire quelque chose d'assez simple. Alors, le fixture phare, c'est en gros c'est. On pourrait l'appeler fixture projecteur conventionnel. C'est-à-dire un dimmer, un channel, juste voilà pour le dimmer. Donc voilà, je vais importer quelques projecteurs dans mon projet. Voilà. Usine à scratch, pas mal. On va sauvegarder le workspace. Bon. J'ai l'impression que. Bon, c'est pas grave, du coup, on va en profiter pour faire un projet vide, ça va peut-être un petit peu soulager le processeur. On va dire que. Merci pour ces explications, Aurore. Donc je vais un petit peu aller sur les commentaires en attendant de redémarrer le logiciel. Puis on va faire une partie lumière. Exclusive, histoire d'être un petit peu plus léger pour mon processeur. Donc j'espère que vous avez bien compris un peu tous les concepts de la grille qui est un peu le centre névralgique de ton. Je mets un message ah, des fois que. Meublé en attendant, je vais mettre. Usine ne veut pas faire de lumière. Ben non. J'ai vraiment OBS qui est mon logiciel de streaming qui me prend un peu toutes les ressources. On va y arriver, on va y arriver. Donc le principe de la lumière, donc c'est de créer un plot avec des fixtures à l'intérieur. Ces fixtures voilà, peuvent être des projecteurs traditionnels comme des projecteurs à LED, des projecteurs automatiques. Et on va voir un petit peu comment on agence ça dans la grille. Alors, le redémarrage d'usine est toujours un petit peu long, hein. Il faut l'admettre. Il faut admettre aussi les mauvais côtés d'usine. Mais là, avec le stream, c'est particulièrement long. Alors, on est à plus d'une heure d'émission, si je puis dire. Voilà, donc ah, on retrouve l'usine. Donc, je vais partir d'un espace vide, ça sera plus prudent. Voilà, comme ça, vous verrez à quoi ressemble un espace vide.
Voilà, donc il y a un rack qui est automatiquement créé. Paf, on va aller dans le plot. Donc j'ai mon plot, j'ai mon browser, tout va bien. Fixture, donc je vais importer des fixtures. Voilà, on a dit que nous importions 4 parts. Alors il y a plein de façons de gérer la lumière dans l'usine. L'usage premier, moi l'usage que j'en fais, c'est pas tellement de faire des conduites lumière avec, même si on peut dans l'absolu, mais c'est plutôt, je l'utilise plutôt quand j'ai besoin d'interaction, d'avoir des comportements très spéciaux, de créer des effets, etc. Donc là, nous avons nos 4 projecteurs ainsi créés. Ça permet de gagner du temps en créa nos gifs. Qu'est-ce qui permet de gagner du temps? Je ne sais pas. Mais... voilà, donc là j'ai des projecteurs, donc je peux les allumer comme ça manuellement en faisant glisser la souris dessus. Je ne sais pas si on voit bien l'action. Je peux les éditer, donc toujours Alt-Click, hein, je peux le nommer contre face découpe. Quand je sélectionne un projecteur sur le côté là j'ai tous ses paramètres donc je peux le repatcher là je peux l'allumer aussi directement ici je peux aussi aller dans les fonctions avancées et patcher plusieurs dimmers à mon projecteur j'espère que ça va mieux l'usine et la grille ok Donc voilà, ceci étant, je peux aller ici aussi pour avoir un récap de tous mes projecteurs et les repatcher ici. Voilà, on va dire 23, 12, 5, 14. Donc c'est un patch traditionnel. Et donc là, je vais faire un très simple. CTRL-G, POMM-G, j'ouvre la grille. Alors je peux tout à fait, voilà, j'ai plein de façons de faire. Je peux par exemple simplement mettre un projecteur dans la grille à une certaine valeur. Donc par exemple, je le mets à 50%. Hop, voilà. Et après, je vais fonctionner exactement comme avec mon fichier son. C'est-à-dire que bah, je vais faire monter mon projecteur à 50% en 10 secondes. Donc voilà, donc là. Mon projecteur, alors je vais me laisser quand même un Q0. Voilà. Donc là, mon projecteur est à 0 et ici, il monte en 10 secondes à 50%. Donc ça, c'est un principe assez simple. Alors, il n'y a pas cette notion de in-out, enfin de temps de montée, temps de descente, mais on va voir qu'on peut... avantageusement s'en passer. Donc bah, si je veux par exemple que dans mon queue suivant ce projecteur là soit à 30 ou à 30% par exemple, on va le mettre à 30%. Voilà. Je le mets à 30%. Donc en fait ce qui va se passer c'est que je fais pas de temps de descente et de temps de montée parce que simplement je fais un temps de transition, c'est-à-dire que là, je mets mon projecteur à 0, là, il va passer de 0 à 58, je crois, en 10 secondes, et là, il va passer de 58 à 30 en 10 secondes également. Alors, si mon projecteur était à 20%, il passerait de 20% à 30 en 10 secondes également. Donc c'est des temps d'apparition en fait, enfin des temps de transfert du projecteur. Alors évidemment c'est pas forcément très très pratique de gérer un projecteur individuellement, encore que le fait de pouvoir le faire ça ouvre pas mal de perspectives, mais ce que je peux faire dans la grille c'est de créer des groupes dans la grille, dans le plot pardon. Donc en faisant un clic droit sur le plot ici, je peux faire Create Fixtures Group.
Et dans ce groupe, je vais pouvoir placer des projecteurs. Voilà. Alors, pour déplacer mes objets dans le plot, je fais CTRL L, ou pomme L. Voilà. Et après, je fais entrer mes projecteurs dans le groupe. Alors, de base, un groupe gère tous les projecteurs à l'intérieur de manière collective. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai un dimmer pour tous. Pardon. Je ne sais pas si je suis sur le groupe. Voilà. Mais je peux aussi... donc ça, c'est lorsque le groupe créé est en mode compact. Mais si je désactive le mode compact, je peux caler une intensité différente pour chacun des projecteurs. Et pareil, mettre des projecteurs dans la grille. Voilà, hop. Et je vais traiter de la même façon mon groupe. Voilà, hop. Ça a l'air d'aller mieux. Bah, je suis ravi de l'apprendre. Je n'ai absolument rien fait pour que ça aille mieux. Voilà, et là, hop, je transfère vers l'état de mon groupe. Donc je vais avoir une espèce de transfert. Alors, vous me direz comment faire pour avoir des temps différents en montée et en descente. Et ben, il suffit, par exemple, si je veux avoir des temps différents en montée et en descente, alors là, je vais être un peu... Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, donc... Mais je pourrais très bien évincer mon groupe. Le projecteur qui est traité tout seul, voilà, et faire une ligne comme ça. En fait, le principe, c'est parti associer aussi les projecteurs qui ont des comportements différents. Je suis à 38% de contre, non, 50% par exemple, pardon. 58%. Voilà. Et quand je vais envoyer la sélection à 3, je vais avoir un mode qui s'en va en cut. Et les autres projecteurs qui montent avec un tel. Donc en fait, en rodant comme ça, de cette façon-là, on arrive à avoir des comportements de conduite équivalents à un jeu d'ordre traditionnel, voire beaucoup plus complexe. Alors évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisque je peux tout à fait... créer des patchs avec les fixtures. Donc je peux prendre, une fois que j'ai créé mes fixtures dans les patchs, dans le plot, je peux placer une fixture dans un patch. Et là, on va pour la première fois de ce tuto créer un patch. Donc si je veux faire par exemple clignoter ce projecteur, je peux très bien aller placer sur le dimmer un LFO qui va être, pour ceux qui l'ignorent, un oscillateur, donc qui va faire varier la valeur suivant une forme donnée et un temps donné. Et donc là, on voit que mon projecteur fluctue. Donc je peux éventuellement mettre un petit fader en témoin sur mon patch. Tu nous contactes depuis mars. Oui, en quelque sorte, oui. Je suis un petit peu sur la planète Mars. Donc, dites-moi si ça va mieux, parce que ça sert à rien, peut-être que je m'étende. Alors, je vais répondre à vos questions, vous me direz après si le son se rétablit. Je vous assure que je ne change absolument rien à ma config. Alors, pour l'instant, je vais répondre. Groupe égale submaster, en gros, j'imagine. Chacun son lieu de confinement. Ouais, je sais pas s'il y a des risques de contamination sur Mars. A priori, non, j'imagine. Alors, groupe égale submaster, en gros, j'imagine que tout ça est aussi assignable en MIDI, comme un fader sur un groupe. Alors, c'est pas exactement comme ça, mais oui, en fait, si on veut se faire des subs, l'idée, c'est plutôt
d'importer ces groupes ou ces projecteurs dans un rack. Ça va mieux, super. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop perdu d'infos. Donc, ouais, par contre, usine, j'aurais peut-être pas dû faire de LFO parce que l'usine est repartie dans les choux. Alors, je conteste énergiquement sur la responsabilité d'usine. Je pense que c'est vraiment mon stream qui pète les plombs. En plus, j'ai pas sauvegardé, c'est super. Alors, bon, on va relancer usine, hein. Décidément, je crois que la lumière n'apprécie pas trop le. Je vous réponds par écrit, ça va être plus simple. Peut-être que l'ArtNet entre en conflit avec le réseau. Bon, vu comme je touche, je ne dois pas être sur la planète Mars. Donc, j'ai de nouveau redémarré usine. Je pense qu'on va peut-être bientôt s'arrêter là. Ça sera peut-être pas mal déjà d'informations pour aujourd'hui. Alors peut-être pour la lumière, plutôt que vous faire comme j'avais commencé à l'entreprendre un cours magistral, peut-être je peux essayer de répondre à vos questions. Laisse tomber la lumière, on a eu un aperçu, merci. Merci en tout cas pour cette super présentation. Je n'ose pas, je sais pas si j'oserais la regarder tellement ça m'a l'air chaotique de mon point de vue. Mais c'est la lumière qui fait bugger le stream, peut-être, peut-être. Sauf s'il y a quelque chose de notable en lumière, tu peux juste expliquer sans montrer. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a de notable en lumière? Bah, en lumière, oui. Ce qui est notable, alors par exemple, il y a un outil pour faire du pixel mapping, pour ceux qui connaissent, qui est assez performant. Donc voilà, usine est assez orientée en fait. Lumière interactive et lumière asservie, très un peu moins pour du traditionnel, même si on peut tout à fait le faire, mais c'est vrai que sur tout ce qui est interactive. Alors l'interaction avec du tactile, ça c'est une bonne question. A priori, usine est extrêmement bien développée pour le tactile. La seule limite étant sur Mac, où l'OS Mac ne gère pas le tactile multipoint. Mais usine sur PC est compatible tactile multipoint. Donc ça peut être une solution effectivement d'interfaçage. Je n'ai pas parlé du MIDI non plus. Les possibilités de MIDI dans usine sont bien sûr assez vastes. Et notamment la possibilité de faire du MIDI Learn aussi simplement que dans Live par exemple. Voilà, j'ai relancé. Donc, on me demandait comment faire un sub. Donc, alors, je vais essayer quand même très rapidement de leur faire une démonstration des possibilités de patching de lumière dans l'usine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite désactiver l'ArtNet qui peut-être met la zone. Voilà. Peut-être que ça doit pas aider. Voilà, donc on va très vite. Je vais rajouter, je vais mettre un projecteur pour vous faire une petite démonstration d'interactivité. Donc voilà, je fais glisser un par, hop, je le mets dans le patch. Et là, on va patcher. On va faire un patch un petit peu élémentaire pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Donc là, j'ai mon micro qui est branché, ma carte son. Voilà, c'est vrai que j'ai fait un petit peu l'impasse. J'ai fait un petit peu l'impasse de tout ce qui est config dans l'usine, mais vous pouvez toujours vous reporter aux vidéos tutoriels du site brainmodular.org. Donc en audio, là j'ai ma carte son Scarlett qui est présente ici. Et donc je vais pouvoir charger dans mes devices
Mon entrée 1, alors je vais regarder si ça module. Ça a l'air de moduler, oui. Donc je vais prendre mon entrée micro qui correspond à l'entrée 1 de ma carte son. Je vais la placer ici. Donc là, j'ai du signal audio qui rentre dans mon patch. Ce patch, pour l'instant, est constitué d'un projecteur. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc très kitsch, mais qui marche plutôt bien. Dans les modules, donc les modules, c'est l'entité la plus petite d'usine. Je vais aller chercher un envelope follower, qui est un objet qui récupère en fait l'amplitude audio d'un signal entrant. Voilà. Et je vais prendre l'enveloppe donc qui va être exprimée sur des valeurs qui vont de 0 à 1 et je vais la connecter au dimmer. Voilà. Et là, j'ai mon projecteur qui réagit en fait au signal entrant. Alors je peux augmenter un peu le release pour avoir un truc un petit peu plus souple. Voilà. Et bon, c'est très anecdotique, mais j'essaie de faire rapidement en plus. J'introduis un module multiplié avec un fader, voilà, qui me permet de gérer en gros l'intensité globale de mon effet. Donc à 0, je le coupe, et à 1, je le monte. Et là, j'ai un petit contrôleur à ma droite. Et alors, on va voir comment on va paramétrer ce contrôleur. Donc ici, j'ai une petite icône MIDI qui me permet d'activer le MIDI Learn et en sélectionnant l'objet et en tournant un bouton, ça devrait marcher. Ça marche pas, donc peut-être que mon périphérique n'est pas actif. On va regarder. Voilà, tac, j'ai activé mon périphérique. Voilà. Et là, j'ai la main sur mon effet. Et je peux diminuer, graduer mon effet et le rajouter. Voilà pour une petite démonstration brève. Peut-être juste pour finir sur encore un petit concept lumière. Si je prends par exemple un projecteur LED que je mets dans mon plot, LED RGB dimmer, voilà. Donc là, j'ai mon projecteur, donc on voit avec ses canaux RGB dimmer. Je vais le mettre dans mon patch aussi. Hop, on va le mettre directement là. Là, je vois que j'ai une entrée color. Ce qui me permet, plutôt que d'avoir à gérer mes canaux séparément, je peux par exemple lui adjoindre une palette, color palette. Alors, c'est pas forcément le plus parlant. On va prendre un patch spectrum. Voilà, c'est des petits exemples en vrac que je vous livre là, qui pourraient être susceptibles de vous intéresser, puis de comprendre un peu la philosophie générale. Voilà, donc là, j'ai créé un color spectrum que je relie à mon projecteur, et là, voilà, mon projecteur suit la couleur. Et je vais pouvoir créer des presets. Alors ça, le preset aussi, c'est un concept un petit peu général. Et je peux, voilà, créer des presets, bim, bim, les placer dans ma grille. Et encore une fois, leur adjoindre un temps si je veux. Ah oui, alors. Comme j'ai deux écrans, c'est assez sournois. Ça se balade d'un écran à l'autre. Voilà, donc j'ai un preset bleu, un preset vert. Alors naturellement, je peux colorier, nommer mes presets pour que ça soit plus clair. Là, je vais.
Donc on va voir ce que ça donne, ça peut être amusant. Donc mon projecteur est vert, il est bleu en cut, et il passe au vert en faisant un chemin, voilà, en allant. Donc ça, bien évidemment, comme c'est dans la grille, ça peut être, c'est tout l'intérêt du système, c'est que bah, ça peut être en étroit rapport avec une transition audio, une vidéo, peu importe. On peut après, en poussant, faire tout un tas de choses, récupérer les composantes de couleur d'une vidéo pour les mettre sur les LED. Enfin voilà, c'est un peu infini et chronophage. Voilà, je pense que je suis complètement déshydraté et fatigué. Et je pense que vous aussi, votre attention doit être un petit peu à bout. Donc avant de... Merci pour la démo MIDI, de rien, c'est vrai que c'est un aspect assez important, il me semble, du logiciel là. Alors, je vais lire les questions, n'hésitez pas à poser vos questions avant de terminer ce live qui est de 1h30 maintenant, c'est un peu ce que j'avais prévu. Merci pour votre courage et votre persévérance. Avoir tenu 1h30 dans mes hésitations, mes bafouillements, vous êtes très méritant. Alors, il vaut mieux repenser un peu notre façon de travailler, d'accord? Sinon, cela devient vite très lourd. Ouais. Le développeur n'est pas un régisseur lumière, il n'a donc pas les mêmes automatismes que nous. La question lumière est très différente d'un jeu d'orgue. Ouais, il est cependant quand même à l'écoute de pas mal de remarques que je lui ai faites. Et il faut savoir que plus on sera nombreux à utiliser le logiciel à des fins qui nous sont un peu propres, et plus on sera en mesure d'attendre de lui des améliorations dans le bon sens. On peut récupérer le signal Ethernet et envoyer des commandes au shutter intégré. Oui, alors sur les projecteurs type Panasonic et tout ça, j'avoue que je ne me suis pas penché sur la question. Enfin, j'ai évoqué ça avec des vidéastes. J'imagine que oui, après, je sais que chez les constructeurs type Panasonic et tout, ils ont un langage un peu courant. Ça serait intéressant de s'y pencher. Il faut voir sur les forums vidéo. Dans l'absolu, je pense que c'est possible. T'as pas vu passer le temps? Si, un petit peu, j'ai vu passer le temps quand même. Voilà, tu as bien assuré, merci. Bonne fin de journée. Je suis intéressé par une seconde vidéo si tu t'y colles. Ouais, alors avec plaisir, mais n'hésitez pas à me faire part de vos requêtes. Sinon, j'ai un peu l'impression de naviguer à vue et je suis pas toujours convaincu de m'attarder sur les aspects qui sont les plus susceptibles de vous intéresser. Donc, pourquoi pas une seconde vidéo, pourquoi pas un rendez-vous hebdomadaire pendant cette période de confinement un peu imposé, si ça vous branche, pourquoi pas. Mais j'attends juste en retour le plus de sollicitations, de requêtes, pour que je sache un petit peu où aller. T'as loupé ma question au-dessus sur les transferts manuels AB. Exactement, je crois que j'ai aperçu et puis j'étais sur d'autres. Donc lumière, possible de faire une cue list avec crossfader banque AB sur MIDI comme en trad. Alors, j'avoue que je m'étais lancé dans la construction de patch censé émuler des jeux d'orgue avec des tableaux de circuits et des états lumineux, etc. Dans l'absolu, c'est possible, mais comme le logiciel n'est pas fait pour, ça devient extrêmement lourd. Et je pense que malheureusement ou heureusement, je pense que c'est une mauvaise direction de vouloir recréer un jeu d'orgue. Et je pense que c'est plus intéressant de revoir sa façon de penser d'imaginer qu'une gestion de lumière peut se faire autrement que par des états globaux qui transfèrent de A à B. Même si je suis le premier convaincu que c'est quand même. Enfin, les jeux d'orgue ont quand même poussé la logique
au bout de ce qui était optimum. Donc c'est une logique très très optimisée et très pratique, mais elle peut aussi être contraignante et c'est pas mal d'avoir une réflexion sur cette question-là. Donc oui, moi je sais que je vais un petit peu renoncer à faire des jeux d'orgue. J'en avais fait hein, qui ressemblaient quasiment à des jeux d'orgue avec des possibilités de sélection de circuits et tout ça. Mais au final, je pense que un logiciel, enfin vraiment, si on a vraiment, on tient à garder une logique jeu d'orgue, autant déléguer la lumière à un jeu type jeu traditionnel, type Cobalt, Congo, Liberty, etc., ou un D-Lite, un Y4 sur ordinateur, et de faire plutôt de la commande de Go, sachant qu'on n'a vraiment pas abordé cet aspect-là, mais bon, là, on aura le temps de voir. Il y a possibilité d'envoyer des messages MIDI, des messages show control directement dans la grille, des messages OSC, tout ça est bien évidemment intégré dans l'usine. Voilà. Je pense que je vais arrêter là. 1h32. Eh bien, merci à tous pour votre attention, comment dire, votre bienveillance, votre clémence. Je vais regarder quand j'aurai le courage cette vidéo pour me faire une autocritique, essayer d'améliorer les choses. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer des requêtes pour pouvoir construire éventuellement des tutos plus ciblés. Voilà, je vais attendre 2 minutes encore pour vérifier qu'il n'y a pas d'ultime question. Et je vais envoyer un message aussi parce que je sais que le chat est un peu en décalé. Hop, j'écris. Ah, j'espère que vous me recevez toujours. Ok, donc je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Merci encore donc et eh bien à bientôt.